Hello les voyageurs, si je suis habillé de la sorte, c'est parce qu'aujourd'hui je vous amène en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal pour aller y faire un safari photo. Dans cette vidéo, nous irons nous balader dans la réserve animalière de Bandia pour y observer girafes, phacochères, singes, crocodiles, gazelles. Bref, la quasi-totalité des animaux qui peuplent les savanes africaines. On fera une halte au village de Noflay pour y voir des tortues géantes, avant d'aller naviguer en pirogue sur la lagune de l'Assomon, véritable paradis pour les oiseaux. Nous arpenterons ensuite les méandres du Sin Saloun, où la mangrove faite de palétuviers abrite une multitude d'espèces d'oiseaux. Puis la réserve naturelle de Palmarin, refuge privilégié des pélicans. On poussera notre road trip jusqu'à la frontière gambienne pour aller visiter la réserve de Fatala et, expérience insolite, aller marcher avec des lions. On traversera l'immense forêt que constitue le parc du Nyokolo-Koba, porte d'entrée vers le Sénégal oriental et véritable poumon de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour que vous puissiez vivre votre propre expérience de safari photo dans les meilleures conditions et mettre toutes les chances de votre côté pour observer des animaux sauvages en pleine nature. Alors, prêt pour l'aventure? Générique!
Il est maintenant temps de bilanter ce voyage. Voir des animaux évoluer dans leur milieu naturel est quand même plus authentique que de les voir enfermés derrière des barreaux dans un zoo. Certes, mis bout à bout, le prix d'entrée pour visiter les différentes réserves n'est pas donné, mais c'est une dépense qui vaut le coup. Pour visiter la réserve de Bandia, par exemple, il vous faudra débourser une centaine d'euros. 18,50 € par personne de prix d'entrée, auquel viennent s'ajouter 60 € pour la location d'un 4x4 avec chauffeur, plus 10 € pour payer le guide qui est obligatoire. Durant la saison sèche, on peut réduire ce coût en prenant sa voiture personnelle ou un taxi, par exemple. Pour avoir expérimenté les deux méthodes, le mieux à mon avis est de prendre place à bord d'un 4x4 rehaussé et ouvert, qui permet de profiter de la vue au maximum. Un conseil, attendez à l'entrée du parc l'arrivée d'autres touristes pour pouvoir partager avec eux le prix de location du véhicule 4x4 8 places. Pour augmenter vos chances de voir un maximum d'animaux, visitez les parcs dès leur ouverture ou alors attendez la fin de journée. Mais dans ce cas, gardez à l'esprit qu'en Afrique, la nuit tombe vite. Quoi qu'il en soit, je vous conseille d'éviter les périodes de forte chaleur car les animaux vont se cacher dès qu'il fait trop chaud. À Bandia, je vous conseille de déjeuner au bar-restaurant qui surplombe le marigot des crocodiles. En plus des dizaines de crocodiles qui peuplent les lieux, vous y verrez de nombreuses espèces venir s'y abreuver et vous profiterez du spectacle des singes qui s'invitent à votre table pour venir picorer dans votre assiette. À noter que l'accès au restaurant est gratuit, on peut y accéder sans payer une entrée au parc. Et à noter également que les week-ends, le restaurant propose un buffet à volonté. Et il faut savoir que les singes adorent les fruits et que c'est vraiment un bon moyen de les faire venir à votre table. Si vous allez visiter la lagune de la Somone, une fois votre visite terminée, demandez à votre guide qu'il vous conduise de l'autre côté du banc de sable. Faites-y une pause baignade et allez déjeuner au restaurant chez Rasta, au Rasta Paradise. Je vous conseille de goûter au tiof, en fait c'est du mérou, un régal, de déguster du barracuda ou encore de la dorade ou une brochette de crevettes. Bref, tout dépendra de vos envies du moment, mais surtout du résultat de la pêche du jour. Après le repas, Rasta vous fera retraverser le bras de mer gratuitement et à toute vitesse à bord de son canot moteur baptisé Rasta Rocket. Pour visiter au mieux la faune qui peuple le delta du Sinsaloum, je vous conseille d'embarquer dans un canot moteur et de vous faire conduire jusqu'à l'île aux oiseaux, le repère privilégié des pélicans. Sur le chemin du retour, faites une halte à Mar Lodge pour y déguster un plat à base d'huîtres ramassé au pied des palétuviers. Si vous avez du temps devant vous, poussez votre road trip du delta du Sinsaloum jusqu'à la frontière gambienne. En plus de la visite de la réserve animalière de Fatala, je vous conseille, moyennant une 40 € par personne en plus du prix d'entrée, d'aller marcher avec les lions, un truc de dingue. Je vous conseille d'arriver la veille, de visiter la réserve en fin d'après-midi et de dormir dans le lodge qui est situé au beau milieu du parc. Comme ça, vous pourrez vous lever aux aurores et être frais et dispo pour aller visiter les lions tôt le lendemain matin. Vous dormirez au milieu de la réserve, près du point d'eau, tout proche des animaux qui viennent s'y désaltérer en soirée. L'hébergement se fait dans des tentes grand luxe, avec climatisation, moustiquaire et salle de bain privative. Le lodge dispose d'un restaurant raffiné et d'une piscine. Comptez une 100 €, le dîner, la nuit et le petit déjeuner. C'est un peu cher, mais c'est vraiment top. Le lodge est tenu par des Sud-Africains, ambiance so British garantie. Même si elle est sécurisée, la marche avec les lions nécessite toutefois quelques précautions. À savoir, ne pas être habillé avec des tissus aux motifs animaliers comme une tenue zébrée par exemple.
On vous fournira un bâton de marche qu'il faudra toujours positionner devant vous, et ce durant l'intégralité de la balade, car les lions ont été éduqués à respecter la limite de ce bâton. Toujours marcher à quelques mètres derrière les lions pour qu'ils vous considèrent comme faisant partie de leur groupe. Ne jamais s'accroupir ou se montrer en position d'infériorité devant les lions. Et bien sûr, ne pas crier, ne pas courir et rester calme, quoi qu'il advienne. Même si c'est un peu flippant, c'est vraiment une expérience insolite que je vous conseille et qui restera en fait mon coup de cœur pour ce safari photo. À noter que pour des raisons de sécurité, la marche avec les lions est interdite aux enfants de moins de 12 ans. Le parc du Nyokolokoba est immense. Il est traversé sur plus de 50 km par la route nationale 7 qui relie Tambakunda à Kédougou. Enfin, quand je dis route, je devrais plutôt dire piste, tant les ornières creusées par les nombreux camions surchargés de matériel divers et varié et faisant la route entre Dakar et Bamako la rendent difficilement praticable. À la saison sèche, il est cependant possible d'y circuler sans trop de difficultés. Comptez néanmoins une marge de temps importante pour ne pas y circuler de nuit, et du carburant et de l'eau en suffisance. Les hébergements sont quasi inexistants dans le parc, et une fois la nuit tombée, mieux vaut rester enfermé dans sa voiture, car des lions y rôdent en toute liberté. Voilà pour ces quelques conseils. Je vous laisse dans le descriptif de cette vidéo des liens utiles et en particulier ceux relatifs aux différents parcs visités. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et surtout, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.